Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je suis en prospection, j'ai des guidages qui s'enchaînent là et les conditions ont beaucoup changé. Du coup je vais chercher la pêche sur les secteurs que je connais et essayer de découvrir des secteurs que je connais pas encore. Donc pour ça on va se faire une petite pêche en nymphe, toc nymphe, moyenne rivière. Je vais tourner sur pas mal de rivières différentes pour essayer de trouver et on verra ce que ça donne. Là on est en pleine fonte de neige, donc l'eau elle est un peu laiteuse là comme vous voyez derrière moi. On va voir la température, je sais pas trop à combien elle est encore, mais elle doit pas être très très chaude, mais pas trop froide non plus j'espère. Et on va voir, on va essayer de trouver des rivières qui prennent leur source plus bas en altitude si jamais les conditions sont pas bonnes ici. On va voir, je vais essayer de là, on est le matin. On n'est pas du tout à la meilleure heure pour ces zones-là, mais je veux voir s'il y a quand même quelques poissons en place ou pas du tout. Donc allez, c'est parti, on va s'attaquer une petite pêche. C'est pas glacial, mais c'est pas chaud non plus. Du coup, je vais vraiment commencer à insister un peu dans la partie de la fosse. Je vais montrer là le long du courant principal, vraiment pas chercher trop dans le jus. On va voir. Ça porte pas beaucoup. C'est un peu un endroit à la con là. Mais on va voir s'il y a quelques poissons positionnés sur cette zone là. C'est profond. Peu de courant. C'est pas forcément le meilleur endroit, mais on va voir là où elles sont. Là où elles sont, s'il y en a quelques-unes. Je vais essayer de lécher le courant principal, c'est très profond. Ça n'a vraiment pas été évident à pêcher cette partie. Ah, poisson. Ok, deuxième. Ah non, troisième. Deuxième ou troisième neuf, je ne sais pas. Ok, deuxième nymphe. C'est pas gros. Mais c'est un poisson. Voilà, une petite truite. Ça me donne des indications déjà. C'est du sable là. Ça me plaît pas. Bon, il y en a quand même sur le sable. Hop. Et rien par là, ma belle. Après. Bon, un peu plus grosse que l'autre. Même neuf. Ok. J'ai le petit poisson. Une indication, bref. Il est vraiment pas facile à pêcher pour un débutant ce poste. C'est ça qui m'embête. On a confirmation sur les nymphes, pas vraiment de positionnement, si une vitesse de courant, mais pas vraiment une profondeur et une granulo. Après c'est pas encore l'heure hein. Mais bon, l'eau est froide, on est en fonte de neige, il y a quand même 2-3 touches à prendre. Donc, Ok, décroché. Il n'y a rien de conventionnel là. Des poissons à faire hein, mais c'est pas évident du tout. Non. Hop, je vais la chercher. Je
Encore un beau petit poisson, toujours la même nymphe. Ils ont bien mangé à la cantine. Hein. Allez, on repart ma belle. Bon, ok. J'ai une configuration où les poissons sont bien présents, mais qui n'est pas évidente à pêcher, mais ça se fait. Alors celle-là, je vais la faire à un endroit, ça c'est compliqué. Hein. Je pêche plein amont en bordure de courant. Mais il y a des poissons, dès qu'il y a une zone vraiment amortie au bord là, proche du courant principal, que ce soit en bas ou là, il y avait des poissons à faire, je vais aller vérifier. La zone là-bas est un peu plus longue. Avec cette configuration là, je vais voir s'il y a moyen d'en faire une encore. Ah, c'est un truc à la con à pêcher ça. Oh, c'est la merde, c'est sous l'arbre que les poissons y seraient. Je vais essayer juste au-dessus et de faire des dérives qui descendent. Le meilleur poste, il est sous l'arbre. Et là. Mais là, c'est pas évident. Je vais le pêcher en hauteur. Mouais. Ça me plaît guère, c'est trop fou. C'est pas fou. Je vais essayer ce derrière de caillou là-bas là. Oh bah là je peux pas mieux passer. J'ai bien essayé de faire des miracles mais là. Aïe. Je me suis scié le doigt. Ah, au ferrage. Ok. On part là. Ah, t'as pris une autre nymphe toi. Cool. Voilà. Le petit poisson encore. Hein. Ah, au ferrage, j'ai le nylon qui m'est rentré dans le doigt. Ok, donc il y en a aussi dans ce genre de config. Là, en fait, faut bien passer dans vraiment juste le bon profil de courant et la pêche gelée. Le problème, c'est qu'avec les niveaux très hauts qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'endroits marqués comme ça. C'est assez uniforme un peu partout. Mais j'ai vu ce que je voulais voir. C'est déjà pas mal. Ah, c'est ça. Poisson, ok. Allez, où sont ma belle, tu vas repartir. Allez, arrête-toi. Voilà. Je viens à faire un peu partout là. J'ai la pêche, il n'y a pas de souci. Sérieux? Putain, le. Ah, quand même! Je suis en train de me dire que c'est bizarre. Que j'en prenne pas une là. Allez, on avance dans la fin de matinée et la nymphe. Ça fait deux poissons là que j'attrape sur celle du haut. Qui est différente. Cool. Bon allez, je vais me casser. Le spot il est pas mal mais c'est une personne qui se marche bien dans l'eau. Bon allez, je bouge, je vais aller voir le gros poule au-dessus. Si j'ai des poissons à faire ou pas. Alors, configuration bien différente. Poisson. T'as pris quoi toi? Une, deux, trois. Ah, t'as pris la neuf tout en bas. Ok. Bon, là ça se réveille. Hein. Chaque fois je change de poste, chaque fois il y a des poissons.
Une de plus. Hop, elle est trop. En même temps, je vais pas chercher à la sortir. Hein. Ouais, non, c'est cool. Il y a vraiment des touches à faire. C'est assez technique, hein, par contre, en pêchant aussi à moi. Je réfléchis à un endroit où on aurait les mêmes configs. Je vais aller voir le débit réduit en dessous. Ça pourrait être bien cool. Et une autre. Eh, elles prennent le neuf du bas là maintenant. Ok, allez, je vais bouger. J'ai vraiment trouvé la pêche là. Putain, elles sont vraiment alignées là-bas. Là, c'est l'heure là, ça commence à vraiment se mettre en place. C'est cool. Je vais bouger de là. Voilà, encore une jolie petite truite de moyenne rivière. Hop. Allez, j'arrête, je me calme parce que sinon. Allez hop, je pourrais en faire 10, mais c'est pas le but. Allez, autre spot, c'est vraiment la même config. Je veux juste vérifier parce que ce spot il est quand même beaucoup plus facile à pêcher. Donc, je veux voir s'il y a des poissons à faire ici aussi. Hop. S'il y en a à faire là de manière plus classique, ça me plairait bien, même si ça prend un peu plus le vent, parce que là tous les spots que j'ai fait c'était beaucoup de pêche pleine amont, et les pêches pleine amont c'est pas évident. Hop là. Allez là, bim. Non, même pas. Hop les. Ouais, il y a des poissons à faire vraiment pas loin. C'est cool. Hop. Par là. Je te décroche. Hein, comme une jolie petite. Allez, je pars. On va voir un autre secteur. Allez, c'est parti pour un nouveau poste. Ça prend un peu le vent ici là. Ça risque d'être un peu chiant. Mais moyen qu'il y ait une plus jolie par ici, la moyenne elle sera plus haute qu'en haut. Donc on va voir ce que ça donne. On continue sur les mêmes nymphes, hein, ça a fonctionné. Les 3 que j'ai ont pris des poissons. Donc je me mets plus lourd en poids. Je suis trop léger. Effectivement, la taille moyenne elle est plus sympa par ici. C'est pas énorme, mais c'est un peu plus gros. Allez, donc là, on va sortir l'épuisette pour toi. Ouais. Poisson sympathique. Bien mangé elle aussi. Hein. Hop les. Ouais, j'ai vraiment la pêche là. Hein.
c'est cool. C'est vraiment trop le vent ce poste. Oh, ça fait une touche. Dommage, t'as pas serré. Mal poussé. Allez, pas de vent, pas de vent, pas de vent, pas de vent. Voilà. Mais pas de vent. C'est pas une grosse, hein, mais... Hop là, les pots. Parfait. Enfin, juste une question de passage, hein. J'arrivais pas à bien passer avec ce putain de vent. Je suis bien passé, bim. Là, ça devrait être mieux. Voilà, c'est mieux là. Je l'ai encore, c'est un miracle. Ah, je l'ai encore. Ouais, ils sont pas partout. Par contre, dès qu'on passe bien la boisson, il y a une touche. Ah, encore une petite. Ah, merci ma belle. Je t'ai niqué. Ah, il faut les endroits quand même bien amortis. Hop là. Elle est couleur magnifique celle-là. Hop là. Bon voilà, fin de ces quelques heures de prospection. C'était pas mal du tout, malgré le vent qui était pas facile. On a trouvé la pêche, on a trouvé les configs où j'ai trouvé les configs où se placer les poissons et des nymphes qui fonctionnent, donc ça c'est cool, c'était bien actif. Faut bien passer quand même, si on passe mal trop vite, elles prennent pas, donc avec le vent c'était compliqué là, surtout sur la fin de session. Je fais pas mal de secteurs différents, à chaque fois ça mordait, voilà. Donc c'était le but de la journée. J'espère que cette petite immersion dans mes prospections vous aura plu, et on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.